sanctuaire Pélagos, c'est un espace international qui comprend une zone qui repose sur trois pays, l'Italie, Monaco et la France. C'est un territoire immense, hein, 87 500 km², un espace dédié à la conservation des cétacés. Il y a la présence de canyons, de courants, hein, comme le courant Ligure notamment, avec des eaux froides qui vont descendre et remettre en suspension tous les éléments organiques qui vont permettre à toute la chaîne alimentaire de se développer. C'est un espace aussi de concertation, puisque l'objectif, c'est de faire se rencontrer l'ensemble des acteurs de la mer qui travaillent sur cet espace. Quand on dit sanctuaire, ça veut dire un endroit un peu sacré, un endroit où on protège. Le sanctuaire, il est dédié à la protection de certaines espèces animales maritimes. Ce sont essentiellement les mammifères marins. Le sujet, c'est bien de permettre à ces animaux remarquables de continuer à vivre, tout en permettant aussi à l'économie normale de continuer à vivre. Le sanctuaire est la seule zone marine de haute mer internationale protégée pour les mammifères marins. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On peut faire côtoyer une forte activité touristique, comme il existe sur la Côte d'Azur, et préserver de façon appropriée les mammifères marins qui existent. Thank you.
Hop, ça souffle. Un Roarkan. Droit devant, à 1,5 mille. Que le whale watching est une activité en plein essor. Il y a de plus en plus chaque année de personnes qui proposent ce genre d'activité-là. Donc le sanctuaire a essayé un petit peu de canaliser cette activité-là en proposant un code de bonne conduite. Il faut tout d'abord ne pas couper la route des animaux, donc on garde une certaine distance par rapport à ça. Naviguer en parallèle. Donc en général, notamment pour les gros cétacés, on essaye de garder une distance de 100 à 200 mètres. Et pour les dauphins, donc éventuellement, si les animaux sont prêts, sont réceptifs et qu'ils veulent venir au même au navire, naviguer à l'étrave ou sauter sur les vagues arrière, on laisse faire. Le Roarkan commun, la population est estimée entre 3000 et 4000 individus dans les eaux du sanctuaire Pelagos. L'idée, c'est de sensibiliser les gens aussi derrière à comment ils vivent, comment on les reconnaît, quelles sont les menaces qui pèsent sur eux, comment les protéger. C'est vrai que là, le fait de les voir dans leur milieu, dans leur environnement, à quel point c'est important de préserver la nature, de préserver toute cette faune et cette faune marine. C'est là tout l'intérêt du code de bonne conduite aussi, ils apprennent auprès de nous comment se comporter lorsqu'un jour peut-être eux-mêmes seront amenés à rencontrer des animaux en mer, et ils garderont une certaine distance, ils éviteront de leur couper la route. Des belles rencontres également. Sous une vingtaine d'années, en fait, on a vu vraiment une explosion de toutes les sortes d'activités humaines. L'impact des activités humaines sur les cétacés est spécialement notable dans les milieux fortement anthropisés, donc tout le nord de la Méditerranée. On a un phénomène d'augmentation du risque de collision lorsqu'il y a plus de bateaux et plus de baleines. C'est généralement la période qui s'étend du mois d'avril au mois de novembre dans le nord de la Méditerranée. Au-delà de 12 à 15 nœuds, les collisions ont généralement une issue fatale pour les baleines ou les cachalots. On estime que vraiment beaucoup de gros cétacés ont été victimes de collisions. Et un danger insidieux qui n'est pas toujours visible, c'est la pollution. En moyenne, chaque année en Méditerranée, c'est une cinquantaine d'échouages sur la façade méditerranéenne, Corse comprise. Il y a 3-4 espèces qui s'échouent vraiment très fréquemment et d'autres beaucoup moins. L'espèce la plus fréquente étant le dauphin bleu et blanc, le dauphin le plus commun dans le sanctuaire. En ce qui concerne les cadavres, il y a des règles à respecter en termes de maladies. Donc il faut intervenir avec des tenues, des gants, des protections, des masques. Et pour les animaux vivants, il faut bien connaître les cétacés, leur comportement, pour pouvoir les manipuler de la meilleure façon possible. Forcément impliquer les compagnies maritimes elles-mêmes, en développant avec elles des outils, en mettant aussi en pratique des systèmes de sensibilisation. Le principe de REPSET, c'est d'équiper tous les navires d'un logiciel qui permet aux bateaux de s'informer les uns les autres des positions de baleines qu'ils ont vues sur leur route de navigation. Grâce à ça, lorsqu'un bateau arrive sur une zone dans laquelle il y a potentiellement une baleine, il peut diminuer son allure. À terme, on peut imaginer également des mesures réglementaires qui permettraient de diminuer les risques de collision, de diminuer également les perturbations liées à l'acoustique. Mais dans le cadre de Pelagos, il faut toujours que ça se fasse en concertation avec les armateurs, évidemment. Nous sommes en prospection cétacée
Donc c'est la prospection mensuelle que nous réalisons entre Port-Cros et Porquerolles. C'est-à-dire qu'on photographie les ailerons, voire les queues de certains individus d'espèces différentes. Ces photos sont rentrées dans un catalogue qui est partagé par la communauté scientifique et ça nous permet individuellement de reconnaître les individus. Les études sur ce type d'animaux sont particulièrement complexes parce que la plupart des espèces passent quand même la plus grande partie de leur vie sous l'eau. Depuis 2006, on s'est lancé dans un programme qui consiste à évaluer le niveau de contamination des grands cétacés du sanctuaire Pélagos. Pourquoi les grands cétacés? Parce que pour faire ça, on est obligé de prélever des biopsies, c'est-à-dire des petits cylindres de peau et de gras, et qu'on ne peut pas le faire sur des petits animaux, donc on se contente de le faire sur trois espèces, le rorqual commun, le cachalot et le globicéphale. La deuxième ressort, voilà, elle ressort. Biopsie réussie. Ah, yes. On travaille sur une famille de polluants qui sont les PCB, les organochlorés, donc tout ce qui est pesticides, etc. Ces familles-là sont des familles, en tous les cas pour les PCB et les organochlorés, qui ont disparu, qui sont interdits normalement depuis des dizaines d'années. C'est très précieux comme information puisqu'on a un suivi des animaux et ça nous permet de faire un peu le même travail qu'avec la photo-ID. On finit par reconnaître ces animaux qui sont quand même assez anonymes. On ne sait même pas si c'est des mâles ou des femelles quand on les voit. Ça permet de comprendre et d'intimiser et d'être en veille sur cette population qui est quand même une population précieuse.